ici pour quelle raison qu'elle avait, là, elle broyait tellement que... Pour Roger Simon, il n'y a qu'un responsable de cette situation anarchique. C'est qui fait barrage sur la route? C'est Jerry Pelletier? C'est qui a installé le vendeur de cigarettes sur le bord de la route? Durant ce temps-là, le gouvernement provincial vient demander à Roger Simon et son groupe de bien vouloir nettoyer ça. Je m'appelle pas Jerry Pelletier. Ainsi, toutes les propriétés les plus cossues sont déjà occupées illégalement par les Mohawks. Devant l'urgence de la situation, le grand chef Jerry Pelletier et tout son conseil ont été convoqués à Ottawa au bureau du nouveau ministre des Affaires indiennes, Ron Irwin. On tentera de désamorcer ce qui pourrait bien dégénérer encore une fois en crise. France Gauthier TVA, à Kennesataki. Hier, nous vous parlions d'une dame âgée poursuivie par Revenu Canada à cause d'un programme des CLSC. Une sombre histoire qui place cette pauvre dame au centre d'une controverse typiquement bureaucratique. Ce cas soulève notamment toutes sortes de questions sur le type de travail encouragé par les CLSC. Le reportage de Denis Ferland. Et on a l'impression que ce problème-là dure depuis des années et qu'il n'y a personne qui veut se mouiller ou qui veut trancher là-dedans. Tous les intervenants ont questionné cette pratique. Travail au noir, risque d'accident, absence de critères de compétence. Dans la préparation de la défense de Mme D, son avocate a aussi été confrontée à l'hermétisme de la machine. Tous les interlocuteurs se sont défilés. Tous les interlocuteurs du ministère en descendant, le contentieux... Revenu Canada ne veut pas donner d'entrevue, se contente d'appliquer la loi dans le cas de Mme D, sans arrière-pensée, sans vouloir partir à la chasse des dizaines de personnes dans le même cas au Québec. Mais nous avons appris que Revenu Québec voit les choses d'un autre œil. Une vérificatrice s'est ainsi pointée au CLSC des îles de la Madeleine. Résultat, une dizaine d'avis de cotisation à l'impôt à des personnes qui aidaient des bénéficiaires. Même scénario au CLSC de la Pointe, à Rivière-aux-Renards, en Gaspésie. Ça me semble une bataille interministérielle jouée via des personnes vivantes et bien mal prises. Revenu Québec exprime en plus clairement son approche dans cette lettre datée de la fin octobre, adressée à un CLSC et transmise à deux ministères. L'étude des faits au dossier nous amène à conclure que les personnes employées par les bénéficiaires de l'allocation directe sont des salariés. Ces bénéficiaires doivent donc effectuer des déductions à la source et les contributions prévues par les lois s'y sont subventionnées. Ce mélimélo bureaucratique pourrait aussi s'étendre à un autre ministère, celui de la Sécurité du revenu. Lui qui essaie de dépister les assistés sociaux qui travaillent au noir sera sûrement intéressé d'apprendre qu'un autre ministère leur fournit des revenus non déclarés. Un autre exemple d'incohérence administrative. Denis Ferland, TVA, à Ottawa. À l'étranger maintenant, le premier ministre d'Haïti, Robert Malval, ne changera rien à ses plans et démissionnera de ses fonctions le 15 décembre, donc mercredi prochain. Il a confirmé la nouvelle aujourd'hui à Rome, où il a rencontré des responsables du Vatican. Le premier ministre Malval s'occupera des affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur. Il dit vouloir laisser aux professionnels de la politique le soin de préparer le retour du président en exil Jean-Bertrand Aristide. Par ailleurs, une conférence de sauvetage national doit avoir lieu en Haïti avant Noël. J'en ai des cadeaux à acheter à Noël cette année. Non, Michel, fais pas ça! Viens! Leurs matériaux révolutionnaires sont plus absorbants que jamais pour aider à prévenir les fuites. Les nouvelles Huggies ultra minces, entièrement repensées pour le plus beau sourire. Votre évier prend un coup parce que vous ne finissez pas toujours vos bouteilles? Solution? Starfrit. Le vacuvin aspire l'air des bouteilles et les rebouchonne hermétiquement. Votre vin conserve ses qualités des jours durant. Vacuvin, une solution Starfrit. Satisfaction garantie. Votre moulin à poivre est lourd, encombrant. Solution? Starfrit. Salière et moulin à poivre tout à la fois. Une main suffit. Sa mouture s'ajuste facilement et elle est durable. La salière moulin à poivre, une solution Starfrit. Satisfaction garantie. Le temps des fêtes était devenu un vrai casse-tête pour moi, jusqu'à ce que je découvre le travailleur sportif. Le travailleur sportif pense à vous en vous offrant une vaste collection de manteaux et d'accessoires pour être bien au chaud cet hiver. Le travailleur sportif, c'est des idées cadeaux bien pensées, un vaste choix, des marques réputées et surtout à bon prix. Alors faites vite, venez choisir votre cadeau et celui des vôtres pendant que le choix est à son meilleur. Le travailleur sportif, le bon choix. Centre commercial Les Rivières, Carrefour Trois-Rivières-Ouest, Galerie du Cap, Plaza de la Mauricie et partout en province. Des cuisinières renommées. Juliette Huot, Maman Lapointe, Claudette Taillefer, et surtout des histoires de dinde impossibles.
en labourant certaines places parce que fallait que les poitrines soient belles, fallait que la cuisse soit très alléchante, et c'est ça qui est important. Alors, je me suis aperçue qu'en partant avec mes 6 dindes à 5 heures du matin, souvent, c'était moi la dinde. Mais qui vient en premier, la farce ou la dinde? Alimentaire, mon cher Watson, ce vendredi 21h30 au réseau TVA. Sophia, je ne sais pas d'où est venue cette idée, mais il ne s'agit en aucun cas d'une femme. Il s'agit d'affaires et d'un contrat très précis, rien d'autre. Si c'était quelque chose de si important, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? C'est sans intérêt. Tu rêvais de sommeil avant la fin de l'histoire, c'est tout. Avant que tu ne m'en parles jamais, j'aurais cru que tu le prendrais tant à cœur. Tout est arrangé maintenant, c'est terminé. Permets-moi de me faire pardonner à l'aide balade d'un cadeau de ton choix. Dis-moi ce que tu souhaites. Inutile d'aller jusque-là. Tu n'as pas sincèrement cru que j'étais infidèle, non? Tu n'imagines pas à quel point je suis peu sûre de moi, quelquefois. Tu as tort. C'est fini, je te le promets. Si tu me promets de ton côté qu'il ne s'agissait que de tes affaires. Mais oui, je te l'ai dit. Et merci de ta patience. Et de ton amour, pardonne-moi, je t'en prie. Comme d'habitude. Oui. Et il ne s'agit de rien d'autre, d'une simple transaction. Je te l'ai dit deux fois. Sur quel ton faut-il te répéter? Il s'agit d'affaires et non pas d'une femme. D'affaires. Eh bien, à ton tour de te montrer patient avec moi. Parce que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de l'être vraiment. Et cette affaire ou je ne sais quoi, c'est fini. Terminé. Oui, c'est fini. Terminé. Et cette histoire ne reviendra plus jamais entre nous, je te le promets. Non, ne restez pas là comme ça. Dites quelque chose. Je n'ai rien à vous dire. Oh, non, attendez. Écoutez au moins ce que moi j'ai à vous dire. Ne partez pas, je vous en prie. Je suis au courant de ce qui vous est arrivé. Toutes ces choses effroyables. Quand vous avez sauté d'un pont dans l'eau glacée, qu'on vous a repêché et enfermé à la clinique Bellevue. Je sais ce que c'est que ce genre de clinique. Qui êtes-vous? Comment est-ce que vous savez tout ça? Parce que je vous recherche depuis des mois et que j'apprends peu à peu des choses. Je suis Gina Demotte Capwell. Et oui, j'ai été mariée à Channing pendant quelque temps, moi aussi, comme vous. Mais que voulez-vous? Je veux la même chose que vous. Channing m'a mise à l'écart, moi aussi. Je crois même qu'il m'a fait plus de mal qu'il ne vous en a fait. Et je veux m'assurer qu'il sera puni comme il le mérite. Je n'ai pas réussi à faire grand-chose toute seule. Mais à nous deux. Très bien. Je suis disposée à vous écouter. Non, non, pas question. Oh, Pearl, Pearl, que oui, voilà. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cruz vient d'être poignardé. D'être quoi? On vient la voir, il donne le téléphone, elle est à l'hôpital. On ne sait pas comment il va, mais on doit le rejoindre tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas qui a fait ça, mais ça s'est passé au moment où il partait subir un interrogatoire. Est-ce que c'est grave? Il semble que non, mais il va devoir rester au lit plusieurs jours, paraît-il. Il aurait pu se faire tuer. Je ne sais pas quoi faire. On est censé attendre ici des nouvelles d'un type qui aurait vu quelqu'un d'autre sortir du laser. Alors, restez ici. Je ne sais pas quoi on va faire. Aller voir là-bas ce qu'on peut faire et on vous rappellera. Vous ne bougez pas d'ici. Non, non, pas. On va attendre. Non, n'oubliez pas, je vous en prie. Bien sûr que non. Et c'est promis. Allons-y. Ah, c'est incroyable. Cruz n'arrivera jamais à gagner. Non, il gagnera jamais. Tant qu'il restera derrière les barreaux de cette maudite prison, il sera sûr de perdre. On devrait peut-être reparler de mon plan pour le faire évader. Là, c'est encore mieux, il est à l'hôpital. C'est bien plus facile de le faire évader de là que de la prison. Vous voulez bien arrêter avec vos évasions de prison et vos attaques à main armée et vos histoires d'hôpital? Vous n'êtes pas Steve McQueen, compris? Pour le faire sortir, il faut le faire libérer. Ça veut dire trouver ce fameux et mystérieux témoin et prouver que Cruz est innocent définitivement. Comme ça, au moins, il pourra sortir la tête haute. Il n'aura pas besoin de se cacher comme une bête traquée. À condition d'obtenir quelque chose de ce mystérieux témoin. Oui, eh bien, j'ai l'impression que ce plan est celui qui va réussir. Et qu'enfin, Eden et lui seront à nouveau réunis. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de le voir. C'est mon fiancé. Je regrette, mademoiselle Capwell. Je me contente d'obéir aux ordres. À mes ordres. Si vous avez à vous plaindre, adressez-vous à moi. Alors c'est vous qui m'interdisez de le voir. Exact. Comment pouvez-vous me refuser ça? Il est gravement blessé, il a besoin de moi. Vous voulez rire? Il paraît qu'aucun organe vital n'a été touché par ce coup de canif. Vous croyez qu'en allant le voir, avec les yeux pleins de larmes, vous allez accélérer sa guérison? Si ce n'est pas une prison, c'est un hôpital. Il a donc le droit de recevoir des visites. C'est le même règlement qui est appliqué ici et là-bas. Écoute, je sais bien que réglementairement, je n'ai pas le droit d'avoir des visites. Mais je sais aussi qu'Eden est là, dehors, et qu'elle voudrait me voir.
Il doit bien y avoir un moyen de la faire entrer. Vous savez que je le ferais si je le pouvais. Alors c'est vrai qu'elle est là, dans le couloir? Oui, c'est vrai. Elle essaie d'être le plus près possible de vous, mais je n'ai aucun moyen de la faire entrer ici. J'ai même eu du mal avec le flic pour qu'il me laisse passer. Mais enfin, si vous voulez que je lui transmette un message, je vous promets qu'elle l'aura. Maintenant que vous savez ce que vous ne pouvez pas faire, je vais vous dire ce que vous devez faire. Ou c'est le gentil policier qui vous met dehors, ou c'est vous qui partez toute seule. Je me débrouillerai seule, merci. Bien. J'admire les femmes qui sont indépendantes. Excusez-moi, on m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Mon amour, ils auront beau tout faire pour nous séparer, nous trouverons un moyen pour nous retrouver. Ne perds pas confiance. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce dénommé Jenkins? J'aimerais savoir. J'ai dit 9h15. Vous m'avez dit qu'il avait dit 9h15. J'ai dit qu'il avait dit 9h15, et je l'ai répété. Et lui aussi me l'a répété. Et il est 9h35. J'y peux rien. Je ne supporte pas. Je déteste même les gens qui se permettent d'être en retard. Mais il va sûrement pas tarder. Asseyez-vous, buvez un verre, mangez quelque chose. Mais comment voulez-vous que je boive un verre alors que mon meilleur ami est à l'hôpital? Ellie a dit qu'elle téléphonerait. Kelly, elle le fera. On ne peut avoir aucune confiance en elle, mon vieux. Excusez-moi, ça ne serait pas vous par hasard qui attendiez Harold Jenkins? Oui, c'est bien nous, en effet. Parfait, je suis Madame Jenkins, et enfin pour le moment. Enchanté de vous connaître, je m'appelle Pearl Bradford, et voici mon ami Ken. Madame, votre mari avait rendez-vous avec nous il y a plus d'un quart d'heure. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, j'ai essayé de vous joindre à votre bureau, et on m'a dit que vous étiez déjà parti pour retrouver Harold ici, alors j'ai préféré venir en personne, vous dire qu'il ne pourrait pas être au rendez-vous prévu aujourd'hui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu embarrassant, mais il semble que, sous prétexte d'aller promener le chien, Harold ait trouvé le moyen de réaliser ses fantasmes. Car je viens de recevoir une lettre me disant qu'il m'avait quitté pour une autre femme. Apparemment, ils avaient décidé ce fameux soir qu'ils ne pouvaient plus se quitter. C'est une soirée qui a été désastreuse pour moi comme pour vous. Et là, il est parti avec elle. On croit rêver. Oh, pardon, je suis désolé. Merci. Je le suis aussi pour vous. J'ai cru comprendre que son témoignage était très important. Il était même vital. Vous êtes sûr qu'il ne vous a pas dit où il comptait aller? Quelque part à Boston. Il ne m'en a pas dit plus. Il avait peut-être peur que je décide de lui courir après ou je ne sais quoi. En tout cas, je regrette. Je ne peux rien faire de plus pour vous aider. Non, ça ne fait rien. Merci en tout cas d'être venu jusqu'ici pour nous prévenir. Et malheureusement, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Merci. On n'en a pas eu beaucoup pour l'instant. Bien, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas vrai. Franchement, elle n'y est pour rien. Elle est déjà gentille. Elle n'était pas forcée de venir ici. Ouais, je sais. On ne peut pas abandonner cette piste. Il faut qu'on trouve un moyen pour localiser ce type. À Boston. Hein? Si on veut faire quelque chose, il faut le faire en vitesse. Cruz ne va pas rester à l'hôpital. J'aimerais bien qu'on arrive à le faire évader avant qu'il ne retourne en prison, parce que quand il sera de nouveau là-bas, tout risque de se compliquer très sérieusement. Non, attendez, attendez. La solution, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. C'est compris? Il faut qu'on prouve son innocence. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous m'accompagnez à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles? Allez. Oui, j'arrive dans une seconde. Pourquoi? J'ai d'abord quelque chose à faire. Bon, très bien. Oui, mademoiselle, je voudrais le téléphone d'un magasin. Al, une armurerie. Pendant combien de temps encore croyez-vous pouvoir fuir? Vous devez rester à Santa Barbara maintenant. Non, sûrement pas. Je ne peux pas. Si vous êtes revenu, il y a une raison. J'ai fait une erreur. Non! Je crois que c'était pour voir vos fils. C'est vrai. Oui. C'est bien mon erreur. Je ne supporterai pas qu'il me voie dans cet état. Justement, je veux vous aider. Je veux vous aider à reprendre une vie normale. Et à récupérer ce qui vous appartient. Ce que vous méritez. Ce que je mérite. Continuez.
En premier lieu, je crois que la moindre des choses serait que vous ayez des relations normales avec vos fils. Mais Sam et Jeffrey ne savent même pas que vous êtes vivante. Mason, ça lui est sûrement bien égal. Ce n'est pas vrai. Je connais Mason depuis très longtemps et je sais qu'il vous a toujours aimé. Vraiment. Il n'a jamais répondu à mes lettres. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il vous aime infiniment. Il vient de traverser une période difficile et il a sûrement besoin de vous. Et Jeffrey, Jeffrey est sur le point de se marier. Jeffrey. Se marier. Oui. Oh mon Dieu. Ce n'est pas formidable? Ça devrait vous donner envie de rester parmi nous, non? Qui est-ce qu'il va épouser? Eh bien, j'ai bien peur que le nom ne vous fasse pas très plaisir. Jeffrey va épouser la plus jeune des filles de Channing, Kelly. Eden, tu n'as pas à te reprocher ce qui est arrivé à Cruz. Tu n'y es strictement pour rien. Si je n'avais pas supplié Brock de faire venir Cruz, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma chérie, tu ne pouvais pas imaginer que Cruz soit en danger. Alors pourquoi t'en vouloir? Je voudrais tant le voir. M'assurer qu'il va bien. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse t'empêcher de le voir, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Timmons n'accepte jamais de faire quoi que ce soit pour nous rendre service. Je ne peux pas admettre qu'il nous refuse ça, je vais aller lui parler. J'ai essayé, j'ai tout essayé. Il s'est contenté de me rire. S'il n'a pas voulu parler, laisse-le faire. Le problème est que plus on le lui...